Salut la gang, je m'appelle Bruno Tessier-Slog pour le pêcheur urbain. Je vais vous montrer comment faire vos bas de ligne, les hameçons montés comme ça ici, pour la suite du montage pour l'esturgeon et le montage pour la carpe. Aujourd'hui, j'ai pris un gros hameçon parce que le petit hameçon, ça va être un peu dur à voir. On va y aller avec un gros hameçon et de la corde blanche comme ça. On enfile notre fil comme ça ici, on laisse dépasser un bout. C'est le même montage que pour faire les montages de cheveux, que je vais vous montrer un peu plus tard. Ensuite, on enfile 7 tours, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on revient par-dessus de 6 tours. Si mettons vous faites 8 tours, c'est un tour de moins, 7 tours. Si vous faites 6 tours, c'est 5 tours de moins. Dépendant de l'hameçon, des fois on ne peut pas faire autant de tours. Mais en général, c'est 7 et 6. Fait qu'on revient 6 tours. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on revient dans le même sens qu'on est rentré. Comme ça ici. Et ça vous donne ça. Votre hameçon monté. On fait juste couper l'excédent. Et pour le haut ici, pour faire la loupe, on fait juste un rond comme ça. Ensuite, je vais juste faire une boucle bien standard. Comme ça ici. Et je vais juste faire un twist avant d'insérer la loupe dedans. Comme ça, ça vous fait un beau 8. Comme ça ici, et on serre. On coupe l'excédent, ça vous donne un beau bas de ligne comme ça ici, tout fait. Fait que gênez-vous pas, si vous avez des questions, venez sur le blog ou sur ma page Facebook, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, à la prochaine.